L'idée de cet après-midi, c'était une après-midi cohésion pour le FC Sochaux, pour les jeunes du FCSM. En fait, l'idée, c'était de proposer des exercices qu'on propose à des élèves gardiens de la paix pour lier un peu la cohésion dans un groupe. Parce que des fois, en fait, il y a des niveaux qui sont différents et donc il faut s'adapter au niveau de tous pour pouvoir avancer ensemble. Ça, c'était la première partie, des exercices plutôt sur du circuit training, basé sur du circuit training. Aujourd'hui, le programme, c'était une journée cohésion avec le groupe. Là, on a fait la première activité et là, on va passer à la deuxième activité avec le bouclier des policiers. On va voir comment ça se passe. On s'entend bien, il y a des bonnes personnes, il y a un bon groupe. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Un autre exercice après que j'ai proposé, c'était avec mes collègues sur le maintien de l'ordre et montrer qu'en fait, si pour être efficace en maintien de l'ordre et gérer une foule hostile, il faut être organisé, avoir une technique mise en place, une tactique mise en place pour pouvoir gérer, même si cette foule est plus importante que nous. Donc j'essayais de faire le parallèle avec le football en disant que une équipe peut être très bien entraînée, depuis des années elle se connaît, mais nous on peut être une équipe qui est plus jeune, avec des niveaux différents, et le fait d'avoir une tactique, d'avoir un entraînement cohérent et de respecter cette tactique et la technique, eh bien on arrive tous ensemble en fait à avancer et à gagner. Et puis là on leur propose un exercice qui est un petit peu un combiné policier, c'est l'exercice dernier, un laser run, donc ils doivent tirer avec un pistolet laser sur des cibles laser et après courir une distance de 200 mètres. Donc là c'est plus pour lier à la fois le physique, la course à pied et le tir. C'est des choses que nous policiers on essaye de travailler au quotidien avec l'emploi des armes et la condition physique, le développement de la condition physique. Voilà. Il était prévu en début de saison de faire une activité de cohésion d'équipe au sein de l'école de police de Montbéliard. Donc on a maintenu la sortie aujourd'hui. Donc la police nous a bien accueillis pour nous proposer trois activités autour de la cohésion d'équipe, d'esprit d'équipe. Donc à travers de ce travail, ça permet aux 12 nouveaux joueurs de bien s'intégrer dans le collectif U17.